Dans un premier temps, je dirais que le monde nationaliste français porte dans l'historiographie, donc pour beaucoup d'historiens, et dans l'imaginaire collectif, un poids plutôt considérable, c'est-à-dire celui d'avoir été le principal animateur des passions patriotiques, abusant, comme on a pu dire parfois, d'un esprit de revanche, donc de la guerre de 1870, et appelant la jeunesse française au sacrifice ultime pour le pays. Pendant une quinzaine d'années, donc de la création du mouvement de 1899 jusqu'à l'été 1914, la Ligue avait prôné ce qu'on pourrait appeler un amour de la patrie absolument quasiment charnel, tout avec les intérêts, la défense des intérêts nationaux contre l'Empire allemand. Dans cette conférence, en fait, je voudrais répondre à la question: qu'est-ce que l'action française a fait de cette guerre, et surtout, qu'est-ce que cette guerre, cette Première Guerre mondiale, a fait de l'action française? Donc l'intro, dans cette introduction, je vais revenir dans un premier temps sur les origines et le développement de l'action française. Et dans un deuxième temps, je voudrais vous présenter les principales personnalités du mouvement, parce que finalement, on parle souvent exclusivement de Charles Maurras, mais on parle peu des autres, et pourtant, je pense qu'ils ont vraiment ils méritent d'être davantage connus. Donc dans un premier temps, dans cette introduction, origine et développement de l'action française, donc 1899-1914. Le 20 juin 1899, ça marque les débuts de l'action française, et ce au cours d'une réunion publique menée par la Ligue de la Patrie française, et ses deux fondateurs, Maurice Pugeot et Henri Vaugeois. Une revue va voir le jour, donc le 10 juillet, petite revue grise, petit opuscule, donc, qui va paraître deux fois par mois. Donc voilà. Patriote, le mouvement va devenir royaliste par le biais de Charles Maurras, qui est donc un disciple de Frédéric Mistral, j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Et il va, entre guillemets, convertir les fondateurs du mouvement, Vaugeois et Pugeot, au royalisme, notamment par un ouvrage, L'enquête sur la monarchie, qui paraît en 1900. Il va former le corpus doctrinal de l'action française, la politique naturelle, largement issue de la pensée d'Aristote, l'empirisme organisateur et le nationalisme intégral. Entre 1908, je fais un petit bond dans le temps, entre 1908, c'est-à-dire au moment de l'affaire Talamas, dont je vais reparler plus tard, et 1914, l'influence du mouvement maurrassien ne cesse de s'accroître. Dans les rues, avec les camelots du roi, dès 1908, et dans le monde intellectuel, puisque l'action française influence beaucoup d'écrivains et de penseurs. Marcel Proust, il y a une citation de Proust, « Quand je lis l'action française, je prends une cure d'altitude mentale. » Des personnages comme André Gide, Mauriac, bon, qui vont après s'éloigner du mouvement, mais le prisme d'influence de l'action française est assez influent. Donc, l'action française, c'est un quotidien dès 1908, et c'est aussi donc toute une littérature à travers pas mal d'auteurs, donc Charles Maurras, Jacques Bainville, Léon Daudet, qui est aussi un grand polémiste, Henri Vaugeois, Maurice Pugeot, et beaucoup de personnalités locales. Donc, les grandes personnalités de l'AF, qui sont-elles? Donc, tout d'abord, Charles Maurras, évidemment, penseur majeur du mouvement et de sa doctrine, il est la personnalité, on va dire, centrale de l'action française. Né à Martigues, donc le 20 avril 1868, il fait des études de philosophie, et c'est avant tout, on peut le définir comme un admirateur et un contemplatif. Pourquoi ? Parce qu'il admire trois personnalités majeures dans ses premières années, l'écrivain Anatole France, Maurice Barrès, et enfin Frédéric Mistral, qui fondait le mouvement du Félibrige, qui est un mouvement, on va dire, qu'on pourrait appeler... avec un peu d'anachronisme, un mouvement local, localiste, qui défend l'identité et la langue provençale. Dans son parcours politique, le premier tournant est marqué avec l'épopée boulangiste, du général Boulanger, et un deuxième grand tournant avec sa rencontre avec Henri Vaugeois et Maurice Pugeot. Il écrit quotidiennement dans l'Action française, il écrit aussi énormément d'ouvrages. Il me semble qu'il a écrit un peu plus d'une cinquantaine d'ouvrages durant sa vie. Les principaux ouvrages
juste avant la Première Guerre mondiale, vous avez Antinia, d'Athènes à Florence, le dilemme de Marc Sangnier, qu'il est Tanger, et si le coup de force est possible en 1910. Deuxième personnalité importante du mouvement, Jacques Bainville. Donc il est issu d'une famille républicaine, c'est un élément important. Plutôt Dreyfusard, parce qu'il faut rappeler que l'Action française est dans un contexte de la crise autour de l'affaire Dreyfus. Il est né donc en février 1879 et il étudia, c'est un autodidacte, donc il étudie un an, il a fait quelques études de droit. Et il est passionné de l'Allemagne, ça c'est un élément très très important. Il écrit notamment plusieurs ouvrages sur la question allemande, sur Louis II de Bavière, un ouvrage sur Bismarck et la France en 1907, et Histoire de deux peuples durant le conflit en 1915. Sa Première Guerre mondiale va être consacrée surtout aux questions géopolitiques. Et il a un ton, c'est quelqu'un d'assez pessimiste. On dit parfois que les pessimistes sont des réalistes qui s'ignorent. Lui, il a un ton assez pessimiste sur cette Première Guerre mondiale, et je développerai un peu plus tard. Léon Daudet, ensuite, je vais aller un peu plus vite pour la suite. Donc Léon Daudet, polémiste de l'Action française, qui écrit beaucoup d'ouvrages sur l'Allemagne, qui est un petit peu fasciné. C'est le fils d'Alphonse Daudet, d'ailleurs, pour ceux qui la même famille qu'Alphonse Daudet. Il va écrire beaucoup d'ouvrages sur l'Allemagne et sur la question de l'espionnage. Henri Vaugeois et Maurice Pujot, donc les fondateurs. Maurice Pujot, d'abord, issu de l'anarchisme. Henri Vaugeois, issu plutôt de la gauche. Et républicains, et qui vont fonder tous les deux l'Action française. Et enfin, une autre personnalité importante, Louis Dimier, qui lui est qui va diriger l'Institut d'Action française, très important dans la vie politique de l'Action française. Enfin, après on va rentrer dans le vif du sujet, on est à l'été 1914, le mouvement, on va dire maurrassien, se retrouve devant un conflit, va essayer, comme disait François Huguenin, qui a écrit un très bel ouvrage, donc très intéressant ouvrage en tout cas, sur l'Action française. L'Action française est une histoire intellectuelle que je vous conseille. Maurras va tenter d'associer tradition politique et modernité nationaliste. Donc le mouvement fait le choix de ce qui est un terme très important dans ce thème de la Première Guerre mondiale, de l'Union sacrée, devant le danger que représente l'Allemagne à ses yeux. Et dans l'Action française du 4 août 1914, Charles Maurras a ces mots. « Hier, il fallait attirer l'attention sur ce qui menaçait de nous affaiblir face à l'ennemi. Aujourd'hui, l'ennemi est là, ne pensons qu'à la victoire. » Alors, je vous propose une présentation en quatre temps, quatre parties. En histoire, on dit toujours que c'est plutôt en trois temps. Il y a le côté un petit peu... moi-même, je suis vraiment influencé par cela. Donc là, cette fois, je déroge un peu la règle, j'ai fait quatre parties. Donc première partie que j'ai intitulée « Une adaptation du journal au conflit ». Deuxième partie qui va être un peu le cœur du sujet, qui est la problématique la plus importante du sujet, donc que j'ai intitulée « Servir l'autorité nécessaire, l'Action française et la République ». Troisième partie, ce sont les grands thèmes de l'Action française durant ce conflit. Et enfin, quatrième et dernière partie, sur le militantisme de l'Action française pendant la Première Guerre mondiale. Donc l'adaptation du journal au conflit, première partie. Dans l'histoire de l'Action française, le premier conflit mondial est indéniablement central, voire fondateur, parce qu'il a permis de construire et de renforcer la réputation du mouvement et de la Ligue et du journal. C'est trois choses. Comme disait Olivier Dard récemment sur l'Action française sur France Culture, l'Action française c'est un journal, c'est une école de pensée et c'est une ligue, c'est un mouvement. Donc c'est pas comme la Trinité, mais quasiment. Et ça fait qu'important. Le journal va attendre les 156 000 exemplaires vendus au cours du mois de juillet 1916. Pour faire un ordre d'idée, avant le conflit, on est plus sur des ordres de 40 à 50 000 exemplaires vendus. Donc il y a une explosion, dans le bon sens du terme, du journal. Même si par rapport aux grands journaux, donc Le Petit Parisien ou Le Matin, qui sont les journaux importants de l'époque, qui vendent chacun respectivement 2 millions et 1,5 million d'exemplaires, l'Action française est bien plus basse. Mais c'est très important dans la mesure du mouvement, en tout cas, de ce que représente l'Action française. C'est un temps de restriction, donc c'est un temps de censure de guerre.
Et l'action française doit évidemment se réorganiser par rapport à ça. Donc tout d'abord, premier temps, modification, les variations de l'aspect et du format de l'action française. Donc on a un journal qui va vraiment se réadapter à cela. Donc dans l'action française du 8 septembre 1914, on peut lire « La crise que traverse la patrie a obligé les membres des comités directeurs de l'action française à se partager les tâches diverses que réclament les circonstances. Tous ceux qui le pouvaient, et c'est le plus grand nombre, sont partis aux armées. Ceux qui restent feront face à toutes les nécessités de la situation. L'action française devant être présente en province, là où siège le gouvernement, notre directeur politique Henri Vaugeois, comme nous l'avons annoncé, est parti pour Bordeaux. Il va être rejoint par Jacques Bainville et bientôt par Léon Daudet, lorsque notre rédacteur en chef sera suffisamment rétabli de sa blessure. » Parce qu'en fait, le jour de la déclaration de guerre, Léon Daudet a eu un accident de voiture. À Paris resteront Charles Maurras, Louis Dimier, Maurice Pugeot qui assureront la rédaction du journal avec l'aide des collaborateurs non mobilisés. Donc vous avez des nouvelles rubriques dans le journal, par exemple l'action française au champ d'honneur, c'est-à-dire tous les jours dans l'action française pendant le conflit, via des messages qui remontent au journal, on note le nom par exemple des camelots qui ont été tués sur le front. Et vous allez voir qu'il y en a un certain nombre, mais il y en a vraiment un très grand nombre. Donc c'est des nouvelles rubriques qui vont apparaître assez importantes dans le journal et qui ce n'est pas un détail parce que ça va participer à la légitimité du mouvement, qui veut montrer vraiment sa volonté de participer au conflit. Je vais un peu plus vite sur la question de la censure. Juste une petite citation, après je passe tout de suite à la deuxième partie de cette présentation qui est un peu le cœur du sujet. Petite citation sur la censure de Léon Daudet, qui je sais de. C'est une citation qui avait été, comme on dit, caviardée. Caviardée, c'est une expression qui venait notamment de la. Comme peut-être vous pouvez y penser, qui vient de la Russie en fait, et qui faisait référence à l'utilisation d'encre pour recouvrir notamment les articles étrangers indésirables. Donc on parle de caviarder et l'expression va se populariser. L'action française est peu caviardée. Souvent, on a un peu une tendance à être, entre guillemets, paranoïaque par rapport au système. L'action française est peu caviardée pendant la Première Guerre mondiale. Jacques Bainville, d'ailleurs, le reconnaît dans ses carnets personnels. Et cela dit, j'ai retrouvé dans mes recherches des articles bon, qui sont caviardés, et vous allez comprendre pourquoi. Donc, vous avez un article de Léon Daudet du début de décembre 1914, sur les sympathies entre les socialistes français et l'Allemagne, notamment. Donc je cite, l'or allemand, l'esprit allemand, il y a un ton très polémiste hein, chez Léon Daudet, c'est un grand polémiste, l'or allemand, l'esprit allemand, l'amitié allemande gardent leur force sur le socialisme européen. Sur ces trois points, on devrait être mieux renseigné que personne à l'humanité. Pourquoi le manifeste passe-t-il volontairement à côté de la vérité? Donc en gros, il sous-entend que les socialistes, que la gauche, la gauche sociale a beaucoup de sympathie pour l'Allemagne et évidemment c'est irrecevable pour des patriotes d'Action française. Donc je passe à la deuxième partie que j'ai intitulée « Servir l'autorité nécessaire, les royalistes et la République dans le cadre de l'Union sacrée ». Là on rentre vraiment, c'est le cœur du sujet et c'est vraiment, limite j'aurais pu vous faire que ça ce soir, mais il était important que je présente d'autres aspects du mouvement. J'ai une citation donc pour commencer de Paul Courcourale, qui est une personnalité de l'action française locale à Bordeaux. Une citation de juin 1919. Nous servons le pouvoir en soi, nous servons l'autorité nécessaire. En un tel service, nous soutenons pour les faire sans cesse plus nets et plus actifs le patriotisme et le nationalisme qui s'imposent en haut lieu, dans des sphères où ils sont vraiment des nouveautés toujours en péril. Donc d'abord, il y a un procès entre guillemets de la République. L'Action française continue dans cette ligne très. C'est un mouvement royaliste. Et il y a une critique assez violente de la République. Jacques Bainville, tout d'abord, argumente sur le fait que la République n'a pas préparé le conflit. Depuis, à la fois, il y a cet esprit de revanche, mais la République n'a pas préparé le conflit. Cela dit, il va revenir sur ses propos après la bataille de la Marne, donc qui est au début du conflit. Donc là, on est à la fin de l'été 1914, et il y a ce qu'on appelle le miracle de la Marne, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on oublie souvent, les Allemands auraient pu gagner la guerre en quelques mois et en quelques semaines.
Et en fait, il y a ce qu'on appelle le miracle de la Marne, c'est-à-dire que par notamment Joffre, les troupes françaises vont retourner la situation. Et Jacques Bainville va être un peu surpris et va les analyses après, c'est, enfin, moi, de mon point de vue, vont être très influencées par ce premier tournant. Il est très opposé à Bainville est, comment dirais-je, est assez pessimiste, comme je le disais dans l'introduction. Il est très notamment sceptique sur la question de la conscription, c'est-à-dire du fait que toute la jeunesse française, je ne veux pas vous écraser de chiffres, mais si vous voulez, la Première Guerre mondiale, vous avez 27%, c'est-à-dire un quart des 18-27 ans qui meurent sur le front. Donc c'est une boucherie, c'est quelque chose qui est de notoriété publique. Et lui, il est effrayé par ce côté-là, ce fait que la jeunesse de France soit sacrifiée qui se sacrifie pour la France, mais aussi pour un régime qui a mal préparé cette guerre. Donc pour l'action française, il faut un petit peu dépasser cette haine envers ce que les royalistes et les nationalistes ont l'habitude d'appeler la gueuse, donc en référence à Marianne, pour se concentrer sur la victoire contre l'Allemagne. Et selon Bruno Guayer, qui a fait un travail, donc qui est professeur de donc historien et qui a une vision plutôt de sciences politiques, la Première Guerre mondiale va recentrer Maurras vers un conservatisme, enfin c'est un débat, hein, vers un conservatisme plus restreint, c'est-à-dire que l'action française se rapproche de la République, et selon lui, cela va le retirer à l'action française le côté un petit peu subversif que pouvait avoir le mouvement. Ça va l'éloigner donc des problématiques, notamment des problématiques syndicalistes, que le cercle Proudhon, juste avant la Première Guerre mondiale, qui avait tenté de rapprocher des syndicalistes issus de l'anarcho-syndicalisme et des maurrassiens. Donc le projet va être mis, comment dirais-je, va être stoppé par la Première Guerre mondiale. Et même si Maurras n'a jamais vraiment souscrit au cercle Proudhon, qui selon lui était un projet illusoire, qui avait réuni en fait qu'un très petit nombre de syndicalistes révolutionnaires et qui s'est plus révélé comme une machine à transformer en royaliste. Donc le conflit entamé, l'union sacrée est validée par Maurras, qui va se ranger derrière tous les gouvernements. L'action française soutient tous les gouvernements, il y en a eu 6 ou 7 durant le conflit, il va se ranger derrière tous les gouvernements de la République. Toutefois, les parlementaires, ça c'est un des... Daudé parlait des parlementaires, petit jeu de mots subtil, les parlementaires, sous la plume de Daudé, reçoivent énormément d'attaques. Donc, notamment dans l'action française, dans septembre 1914, il parle, je cite, nos paniquaires politiciens, parlementaires, préfets ou sous-préfets n'ont pas l'intelligence assez forte. Ils l'ont prouvé depuis 15 ans en niant la possibilité d'une guerre certaine pour comprendre ces choses cependant si simples. Donc, que ce soit avec, donc, je disais que l'action française reçoit, soutient globalement tous les gouvernements, que ce soit avec le président du Conseil, René Viviani, donc en 1915, ou avec Georges Clemenceau, que Maurras va rencontrer d'ailleurs en 1917, l'action française va se joindre donc à cette unité nationale, quitte à se rapprocher fortement de ce qu'hier elle critiquait. Et d'ailleurs, Maurice Pugeot, dès le début du conflit, appelle les camelots du roi, donc les militants de l'action française, à ne pas manifester contre le gouvernement. Ce qui va être primordial dans ce contexte, c'est pour l'action française, c'est la force de l'État. Et quand en 1916, il y a un discours donc, de Louis Barthou, qui est un républicain modéré, qui va être député et ministre pendant le conflit, qui va être donc salué par Courcourale, responsable d'Action française en Aquitaine, dans le Nouvelliste de Bordeaux, qui est un journal royaliste sur Bordeaux, le 11 avril 1916, il dit « L'union sacrée, c'est-à-dire la concorde nationale, ne peut subsister et porter ses fruits que si l'État est conditionné d'une certaine manière.
Il faut que l'État exprime des principes d'ordre et de cohésion pour que la communauté des citoyens ne soit pas déchirée. Donc finalement, pour l'action française, il s'agit d'influencer au maximum le Parlement. Il y a plusieurs exemples qui montrent que l'action française arrive à influencer les décisions et les parlements. Je vais prendre notamment deux exemples. Premier exemple, c'est le débat sur la part du combattant. Maurras arrive à imposer cette idée au Parlement par un penseur qui est très important que vous connaissez, Maurice Barrès. Et dans un article donc, de l'Écho de Paris du 20 juillet 1917, Maurice Barrès, donc l'Écho de Paris, c'est un journal qui appartient au journal de Maurice Barrès, écrivain nationaliste. L'article s'intitule « Le prêt national aux soldats et le Parlement ». Maurice Barrès va reprendre la suggestion de Maurras sur la part du combattant. Maurras avait conseillé une répartition du butin de guerre pour les soldats qui avaient combattu sur le front. Parallèlement à ces idées, Charles Maurras, avec une logique toute claire et toute audacieuse, veut associer le combattant au produit de la victoire et faire leur part au poilu dans le stock des richesses de l'ennemi vaincu. Et l'ensemble de la presse française va souscrire à cette proposition, ainsi que le président Poincaré, même si sous la Troisième République, on est sous la Troisième République, je vous rappelle, le président de la République, comme on dit, inaugure les chrysanthèmes, il a très peu de pouvoir. Finalement. Et deuxième exemple qui je pense est assez intéressant et assez révélateur, le mouvement l'Action française va être mis à contribution par la République sur la question notamment géopolitique et étrangère. Émile Buret, donc, qui est un secrétaire privé d'Aristide Briand, qui est chef du gouvernement dès 1915, et il va contacter Jacques Bainville, en fait, pour aller essayer d'analyser la question russe, notamment, et les rapports avec la Russie, qui fait partie, je vous rappelle, de la triple entente avec les Français et les Anglais, notamment, jusqu'à la révolution de 17. Et lors de discussions avec la Russie, le nom de Jacques Bainville va être tout de suite évoqué, et évidemment, les journalistes socialistes et les députés vont en revendre la nouvelle et vont invectiver Émile Buret et Aristide Briand, qui, alors, Émile Buret, comme on dit, va nier, va dire non, comme Saint-Pierre, il va renier trois fois. Et, il va dire non, pas du tout, c'est absolument faux, sauf qu'il y a énormément de témoignages qui disent que Émile Buret dîne avec Jacques Bainville régulièrement et que du coup ils échangent sur la question, notamment la question russe. Et deux éléments vont motiver plus spécialement le journaliste de l'Action française, Jacques Bainville, prendre part au conflit parce que lui, il n'est pas mobilisé, il a des problèmes de santé, donc il n'a pas pu être mobilisé au début de la guerre. Et deuxièmement, c'est montrer au gouvernement que l'Action française est prête vraiment à soutenir la France avant tout. Et puis surtout, Bainville veut montrer la légitimité du mouvement à s'exprimer. Et dans cette Pour finir cette deuxième partie, je vais parler de ce que j'ai intitulé le moment Clémenceau. Donc Georges Clémenceau qui va diriger le gouvernement entre le 14 et 16 novembre 1917. Vous avez le gouvernement de Paul Painlevé, socialiste, qui démissionne. Et pour l'historien Jean-Jacques Becker, qui est un spécialiste de la Première Guerre mondiale, les royalistes vraiment appuient, pareil, il y a un débat, on en parlera peut-être à la fin, les royalistes appuient l'avènement de Clémenceau. Donc Clémenceau, radical, donc républicain, le tigre, le surnom qui lui est rattaché, pardon, et qui va être le président du Conseil le plus soutenu par l'Action française pendant cette Première Guerre mondiale. Et j'en veux pour preuve une citation qui m'a fait assez sourire, donc de Maxime Réal-Delsarte. Alors Maxime Réal-Delsarte, c'était le chef des Camelots du Roi, donc c'est le chef des militants d'Action française, donc c'est-à-dire le côté un petit peu coup de force de l'Action française, le côté un petit peu motivé de l'Action française. Et il a une lettre qu'il écrit en juillet 1918 à Maurras. Et il a ces mots sur Clémenceau.
Les événements actuels ont recouvert d'un voile, c'est assez beau d'ailleurs. Les événements actuels ont recouvert d'un voile tricolore les anciennes haines. Autant je vous méprisais. En fait, c'est une lettre, pardon. C'est une lettre de, excusez-moi, de Maximilien Lelsart à Clémenceau. C'est encore mieux. Les événements actuels ont recouvert d'un voile tricolore les anciennes haines. Autant je vous méprisais, vous haïssais jadis, autant j'ai l'admiration aujourd'hui pour celui qui met ses efforts au service de la patrie et qui donne l'assurance que les grands sacrifices n'auront pas été vains. Voilà, donc il y a un soutien vraiment à Clémenceau. Donc troisième partie, que j'ai intitulée Les essentiels du combat maurrassien. Donc c'est les grands thèmes qu'on va retrouver dans l'Action française, dans le journal et dans son discours pendant la Première Guerre mondiale. Donc traître, la question des traîtres notamment, avec Léon Daudet qui va, avec ce qu'on appelle la chasse aux embauchés, c'est-à-dire lui, parfois, à juste titre, voit vraiment un complot partout et il y a cette idée de lutter contre toutes les tentatives d'intrusion de l'ennemi. Donc à travers deux exemples notamment, je ne vais pas trop le développer. Sur deux affaires. Donc vous avez l'affaire, ceux qui sont intéressés, je vous transmettrai le texte de ce cercle. La question, donc l'affaire Magicube, que vous connaissez, et l'affaire du Bonnet Rouge, donc, qui est un journal, et l'affaire donc autour d'Almeria. Je développe pas plus la question. Donc ensuite, deuxième thème qui est très choyé dans l'Action française, donc le thème du martyr. Si la liste des cadres du mouvement tombé sur le front est importante, les principaux meneurs, comme je l'ai dit au début, sont pas mobilisés. Maurras, il est sourd depuis l'âge de 13 ans, donc évidemment, lui, il n'ira pas sur le front. Daudet n'est pas mobilisé, mais il a son accident de voiture le jour du début du conflit. Bainville aussi a des problèmes de santé, et Louis Digny aussi, qui va rester à l'arrière. Toutefois, dans une lettre qu'il cite donc, dans un ouvrage que j'ai dans une lettre pardon que j'ai trouvé donc dans un ouvrage qui s'appelle qui a retranscrit la correspondance de Maurras et de Barrès, il souhaite que le Il souhaite participer au conflit en faisant en sorte que l'étang de Berne, donc qui est un ouvrage qui va sortir pendant le conflit, que comment dire, le fruit des ventes de cet ouvrage revienne revienne donc au corps d'armée auquel il aurait dû participer. Donc en gros, il veut participer avec ses camarades. Pour l'Action française, faire des anonymes et des membres du mouvement de glorieux héros est sans doute l'un des éléments qui a participé à la construction d'une certaine, je dirais, une certaine culture politique, une certaine mythologie politique, qui est très importante, et il me semble, en politique, et qui est propre et indispensable à chaque mouvement, mais auquel, on va dire, le nationalisme est particulièrement attaché, donc l'héroïsme, etc. Et donc, comme je disais tout à l'heure, vous avez une rubrique qui s'appelle l'Action française au champ d'honneur, qui va rassembler les officiers et les soldats tués sur le front, et dont les noms ont été, pour une majeure partie, transmis par les familles au quotidien. Et pour l'Action française, ça ne doit pas être une parenthèse de la Première Guerre mondiale, il faut continuer à propager les idées, comme on dit, à royaliser le pays. Et dans cette rubrique, vous allez retrouver petite extrait de La France bouge, donc qui est un chant très important pour l'Action française. Un chant écrit par Maurice Pugeot, et donc Demain sur nos tombeaux, les blés seront plus beaux, qui est donc le dernier couplet de La France bouge, des chants de Camelot du Roi, de Maurice Pugeot. Donc vous avez beaucoup de personnalités du mouvement qui meurent. Les plus connus, on peut citer Léon de Montesquiou, Henri Lagrange, qui avait participé au cercle Proudhon. Vous avez aussi beaucoup de personnalités locales. Ce qui est intéressant, en fait, lorsque vous voyez les noms des personnalités tombées, finalement, c'est voir le maillage de l'Action française dans le pays.
Vous avez des sections partout, vous avez des gens qui viennent de partout. Et justement, pour l'action française, ce qui est important, c'est de montrer qu'elle est implantée partout avant le conflit. Elle est implantée vraiment partout sur le territoire. Et un thème, enfin, dans cette troisième partie, un thème qui est très important pour l'action française, outre l'aspect des, on va dire, des martyrs, vous avez le rapport avec l'Église, avec Benoît XV. Et Maurras l'a souvent répété, donc notamment dans un ouvrage qui s'appelle « Le pape, la guerre et la paix » qui sort en 1917, qui est paru en 1917. Et c'est une citation, pareil, il y a beaucoup de punchlines chez Maurras qui sont pas mal, enfin, que je trouve pas mal, qu'on trouve pas mal. Il n'y a qu'une seule internationale qui tienne, et c'est l'Église. Donc il fait un petit clin d'œil à ses amis plutôt socialistes de l'époque. Et il va faire la distinction, Maurras, entre l'universalisme issu des Lumières, et dont le socialisme est un des effets finalement, et le catholicisme, qui incarne, comme il le dit, la seule institution organique et vivante dont l'esprit soit universel. Et finalement, Maurras attend de Benoît XV, donc il y a un pape qui est élu à l'année 1914. Donc c'est le pape de la paix, comme il y a une très bonne biographie qui est sortie d'ailleurs l'année dernière, j'ai oublié l'historien qui l'a écrit, bref, qui est sorti, je vous la conseille, apparemment elle est vraiment excellente. Et il attend de Benoît XV qu'il réalise ce que je pourrais appeler son rôle de Salomon, c'est-à-dire le Salomon dans l'Ancien Testament, celui qui juge, qui est à la fois équitable et charitable. Un Salomon strictement spirituel et universel, légitimé par l'histoire, avec l'idée par contre d'une paix favorable à la France. Il veut quand même que ça, évidemment, ça penche dans l'intérêt de la France et de la France seule. Et je cite Maurras sur Benoît XV, « Appelé à gouverner la société universelle dans un temps où la barbarie semble redevenir la loi du genre humain, où les promesses d'arbitrage vantées pendant la paix avec une aveugle confiance reçoivent un démenti éclatant de la guerre la plus effrénée qui fut jamais, votre sainteté, placée au-dessus de la bataille, comme pasteur des âmes, a patiemment recueilli et pratiqué ce que les révolutions laissaient entre ses mains, des garanties d'humanité attestées par 15 siècles de société catholique. » Donc là, il revient sur la civilisation européenne, la civilisation française, parce que pour Maurras, le catholicisme, contrairement à ce qu'on entend aujourd'hui, on est sur le côté c'est la charité, c'est l'ouverture au monde. Pour Maurras, le catholicisme, c'est l'ordre, c'est la transmission, et ce qui a permis au catholicisme de perdurer, c'est cette hiérarchisation. C'est pas les bisounours. L'impartialité constante de Benoît XV fut interprétée comme un manque de courage politique. C'est-à-dire que pour Clémenceau, là aussi, moi je fais une petite pique à notre ami Georges, il voit dans Souverain Pontife un pape boche qui défend les intérêts même de l'Empire austro-hongrois, parce que Benoît XV était très ami avec... il y avait une grande amitié avec Charles de Habsbourg. Je vous renvoie aux travaux de Jean Sévillat dessus, qui avait des travaux très, très touchants, très brillants et intellectuellement très intéressants sur Charles Hésita, d'ailleurs, de Habsbourg. Ludendorff, donc, lui, généralement, parle du pape des Français. Donc, en gros, chacun tire la nappe de son côté, ou la pousse, comme on veut. Courcourelle considère, donc toujours de l'AF Bordeaux, considère Benoît XV comme l'arbitre le plus légitime de ce conflit, comme le père des nations, et dans le Nouvelliste de Bordeaux, en mai 1918, il dit « La papauté ne pourrait être traitée ainsi qu'un État quelconque. Elle est bien autre chose que le plus solide, le plus glorieux des gouvernements de ce monde. » La papauté, là il faut l'écrire en lettres d'or, c'est la paternité des États, c'est mieux que l'ONU. Et enfin, dernière partie, quatrième et dernière partie, qu'est-ce que le militantisme d'AF pendant la Première Guerre mondiale? D'abord, je vais prendre le cas de. J'ai pris un cas particulier, on appelle ça en histoire, on fait un peu de la micro-histoire. J'ai pris le cas de Bordeaux, désolé, on est à Bordeaux. Un siècle auparavant, par rapport à aujourd'hui, c'est assez beau. Et ensuite, deuxième point, la crainte du coup de force avec l'affaire des panoplies dont je vais parler un petit peu. Donc à Bordeaux, l'action française à Bordeaux, c'est une des sections, donc en 1914, une section les plus actives de France.
Donc vous avez dans le maillage national, on va dire, bon, vous avez Paris qui limite à des sections par arrondissement. Vous avez Toulouse qui a une très grosse section en 1914, une des sections les plus importantes de France. Pour vous donner quelques chiffres, à Toulouse, chaque semaine il y a une réunion, vous avez 100 personnes. Chaque semaine à Toulouse, des réunions de l'Action française. À Bordeaux, chaque semaine avant la Première Guerre mondiale, vous avez entre 50 et 60 personnes. Chaque semaine à Bordeaux, vous avez trois locaux à Bordeaux. On se fait du mal. Vous avez trois locaux à Bordeaux. Vous avez donc quelque chose qui est clairement très respectable et clairement qui, donc vers 1910, je fais un petit tour juste avant la Première Guerre mondiale, je finis le tableau. On décompte en Gironde, vous avez 900 membres, 900 adhérents à l'Action française. Au début de l'année 1913, plusieurs réunions publiques. Donc vous avez une réunion du 23 janvier, vous avez 800 camelots du roi à l'Athénée municipale, à Bordeaux. Avant la mobilisation générale, vous avez je vous donne quelques chiffres, après je ne vous écrase pas trop. Le 23 mars 1914, dans une des salles donc, du Nouvelle Liste de Bordeaux, donc le journal de Paul Courcourale, une centaine de personnes qui se rassemblent pour recevoir donc, un industriel isérois qui s'appelle Fernand Rocher, qui est sympathisant à l'époque de l'Action française. Donc il y a vraiment cette idée en plus de parler avec tous les industriels, les philosophes, les hommes de lettres. Et le 20 juin 1914, vous avez 1 millier de personnes à Bordeaux pour avec un grand banquet, parce que en plus il y a en guest star, il y a Jacques Bainville et Jules Delahaye, donc lui qui est un député de Cholet. Tac-tac. Et donc, évidemment, la Première Guerre mondiale. Autant vous avez une soixantaine de membres à chaque réunion, chaque semaine avant la Première Guerre mondiale, autant pendant la Première Guerre mondiale, les chiffres sont beaucoup plus bas, les chiffres sont beaucoup plus clairsemés. Vous avez des réunions, il n'y a qu'une dizaine de personnes, normal, les gens sont mobilisés. Vous avez surtout des lycéens, parce que l'Action française est très très implantée dans les lycées. Et vous avez le seul fait majeur, on va dire, vous avez une grande réunion publique en mai 1917. Avec une grande réunion patriotique, vous avez 600 personnes pour écouter Louis Dumier. Voilà. Et donc, deuxième point de cette dernière partie, l'affaire des panoplies. L'affaire des panoplies, donc le 27 octobre 1917, l'Action française est accusée de vouloir faire un attentat contre l'ordre public. Donc, les policiers vont d'abord se diriger là, on est à Paris, on se situe à Paris. La police se dirige vers l'Institut d'Action française qui est au 33 rue Saint-André-des-Arts, avant de se rendre à l'imprimerie du 18 rue de la rue Croissant. Les domiciles de Maurras, de Daudet, de Maxime Réal-Lalsart, de Louis Dimier, de Marius Plateau, assassiné par les anarchistes 1923, il me semble, sont fouillés de fond en comble. Chez Maxime Réal-Lalsart, là je vais. C'est pour montrer le côté à l'époque que l'Action française, c'est pas à la fois il y a un institut et puis c'est pas non plus. Il y a la volonté aussi d'être crédible dans la rue et c'est une époque très violente, donc effectivement, soyez pas surpris par ce que je vais annoncer. Donc chez Maximilien Delsarte, on va trouver des dizaines de matraques, des dizaines de cannes plombées et une trentaine de revolvers. À Bordeaux, l'opération concerne à la fois la permanence de la section d'Action française qui est située rue Porte-Dijot et là aussi où il y a les bureaux du ministre de Bordeaux. Donc on est au plein cœur de Bordeaux. Il apparaît assez vite que dans les documents trouvés par la police, le mouvement en fait a des informations de ce qui se dit à l'Assemblée nationale. Donc en fait, l'Action française a des indics dans l'Assemblée nationale et sait ce qui se dit et par conséquent a des informations sur ce qui se passe sur le front, sur les décisions militaires, entre autres. Donc les sections de province vont être prévenues, donc ils ont le temps de retirer tout le matériel et les documents, ils ont le temps de tout planquer. Le président d'honneur de l'AF à Bordeaux, donc, qui est le comte Eugène de Lursalus, va être également perquisitionné, et vous allez avoir des documents qui montrent que le mouvement est extrêmement bien structuré, c'est pas surprenant, depuis 1905, parce que la première section d'AF est lancée à Bordeaux en 1905.
Donc vous allez avoir les chiffres que j'ai trouvés, donc c'est les chiffres de des recherches donc que j'ai trouvés dans les sources de la police. Vous avez 250 cannes plombées, 50 armes à feu, énormément de coups de poing chacun. Donc vraiment, ça, puis c'est une époque, voilà, c'est une époque très violente, je le répète. Et donc le débat va ressurgir. Est-ce que l'Action française veut faire tomber la République alors qu'en même temps elle dit qu'elle soutient le régime? Finalement, si le coup de force est possible, entre en débat. Et Courcourale, en février 1918, précise « L'Action française est une œuvre révolutionnaire. Elle en possède des éléments, car elle s'est adressée jusqu'à présent aux professeurs et aux ouvriers. Ce n'est pas suffisant. Jusqu'à présent, le Parti conservateur a été effrayé du mot « révolution ». Il n'a pas voulu agir. L'AF considère qu'il y a une révolution à faire pour l'ordre. » Deux effets vont résulter de l'affaire des panoplies. La principale conséquence, c'est que ça va être le régime va faire monter, mais en fait, ça va retomber en eau de boudin. Il ne va pas vraiment y avoir de grandes conséquences. Et en fait, il y a deux aspects. Il y a un aspect positif et un aspect négatif. L'aspect positif, c'est que d'autres journaux vont faire de la publicité à l'Action française, donc faire monter les ventes de l'AF et faire de la publicité pour l'Action française. Et l'aspect négatif, c'est que le côté coup de force passe un peu à la trappe. Les autres vont considérer que l'Action française n'est pas un mouvement vraiment sérieux. Ils veulent pas vraiment faire tomber le régime. En fait, ils sont un peu mollassons. Et c'est les critiques qu'on va retrouver, notamment. Je renvoie à la conférence au SARP qu'on avait fait sur le 6 février 1934 sur les années 30. L'Action française est considérée comme un peu mollassonne. Voilà, moi je vais conclure. Les années qui suivent la Première Guerre mondiale sont généralement considérées comme les années les plus fastueuses. Les années 20-30, on considère que ce sont les années les plus importantes, parce qu'on parle souvent ça, on dit le retour des années 30, etc. Alors qu'en fait, selon moi, et pas que selon moi d'ailleurs, l'Action française, c'est une hypothèse, hein, s'il n'y avait pas eu cette satanée guerre, qui je vous rappelle a fait 1 400 000 morts, 1 400 000 Français sont morts sur le front, entre 2 500 et 3 000 camelots du roi sont morts sur le front, plus tous les blessés, Maxime Reldelsart va être infirme d'un bras. Il va être gangréné un bras, on va être obligé de lui couper le bras. L'Action française, s'il n'y avait pas eu cette satanée guerre, on peut se demander si elle n'aurait pas eu un écho encore plus important et encore plus puissant. Faut pas négliger la période qui va s'étendre de 1905, donc la loi de séparation des Églises et de l'État, jusqu'à 1914. La création de la Ligue d'Action française en 1905, la multiplication des sections, l'affaire Talamas, je vous renvoie, il y a plein de travaux dessus qui ont été faits, je vous renvoie à Olivier Dard notamment, qui est le spécialiste de la question, Jacques Prévotat exactement, aussi, qui est excellent sur le sujet, d'autres affaires en fait aussi locales, tant d'événements vont montrer l'importance et l'essor rapide du mouvement de l'Action française avant l'été 14. La Première Guerre mondiale a transformé le mouvement durablement et profondément. Donc d'après la brochure, il y a une brochure qui est publiée par l'Action française après la Première Guerre mondiale qui s'appelle « Les morts de l'Action française 1914-1918 ». Il y a entre 2500 et 3000 camelots du roi qui sont morts sur le front. Vous avez des personnalités donc, comme Léon de Montesquieu, Henri Lagrange ou Octave de Barral qui ont été tués. Vous avez des personnalités comme Louis Imier qui vont s'écarter du mouvement parce qu'ils trouvent que le mouvement est devenu trop consensuel avec la République, après tout ce que je vous ai expliqué. Et l'affaire des panoplies a un peu discrédité les royalistes sur leur capacité véritablement à mener le coup de force. L'Action française, en se rattachant à l'Union sacrée, a montré un engagement complet dans la guerre, de l'arrière jusqu'à l'avant. Les partis qui divisaient les Français avant le conflit partent en poussière une fois l'ennemi devant eux. Après l'apparition de l'étang de Berre, donc un ouvrage fameux de Maurras, dans le 25 juillet 1915, dans une lettre à Barrès, c'est ce que j'ai exprimé tout à l'heure, il va expliquer son souhait d'ailleurs de participer au 15e corps. Donc il y a une volonté vraiment de participer totalement. Le traité de Versailles qui suit la Première Guerre mondiale
Là-dessus, je renvoie à Jacques Bainville, donc les conséquences politiques de la paix, texte prophétique dans lequel Jacques Bainville annonce, parce qu'avec cette vision politique d'abord, cette vision historique, cette vision d'Action française, bah, il voit les effets, dans les effets de cette Première Guerre mondiale, il voit se profiler un autre conflit. Et dans cette expression qu'il a eue, une paix trop douce pour ce qu'elle a eu de dur et de trop dur pour ce qu'elle a eu de doux, nous avons créé les germes de cette Deuxième Guerre mondiale. Et même avant les conséquences politiques de la paix, j'ai trouvé une citation de lui qui fait froid dans le dos, qui date de novembre 1918, soit 2 jours après l'armistice. Et il parle à propos de l'Allemagne dans un article qui s'appelle Demain. Vous pouvez trouver cet article sur Gallica d'ailleurs, sur Internet. Il prévoit une radicalisation politique de l'Allemagne, transformant le pays en, je cite, une république sociale nationale supérieurement organisée. Il donne pas les noms, mais il annonce quasiment ce qui va arriver, quoi. On est en novembre 1918. Il cite pas celui que vous savez, mais c'est quasiment ça. Il annonce le projet. Il faut repenser donc le jeu des alliances et réfléchir à une coalition des États latins. Lui, il est favorable à, c'est la question de la latinité, donc un rapprochement avec l'Italie, un rapprochement avec toutes les forces de la latinité. Pour conclure, pour ouvrir le sujet, je dirais que il faut se demander si le premier conflit mondial, je finirai là-dessus, ne constitue pas à la fois une défaite politique et une victoire culturelle. C'est sujet à débat. La République s'est renforcée, notamment avec l'action de Clémenceau. Mais pourtant, donc ça c'est le côté défaite politique. Pourtant, on peut penser que c'est une victoire culturelle parce que le journal va séduire une partie importante de la population française, qui va être fascinée par ce retour vers un passé glorieux, qui doit être mis en relation avec cette volonté pour la génération de feu, c'est comme ça qu'on a appelé les gens qui ont été sur le front, d'oublier, d'éradiquer des souvenirs d'une guerre qui, comme je l'ai dit, a fait tomber 1 400 000 Français. Finalement, on peut se demander si les Français ne veulent pas simplement oublier, et le succès d'un ouvrage de Jacques Bainville, L'histoire de France en 1924, cristallise ce phénomène. Je vous remercie.